Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais faire dans la suite logique de mon précédent tuto où je vous avais montré ici je vais vous montrer voilà ici comment à partir d'un calendrier voilà on va pouvoir ici cliquer faire ce qu'on appelle un date picker. Voilà donc ici cliquer sur une date et ça va automatiquement ajouter ici les mois en question, voilà donc ici automatiquement ça va le faire. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 12. Voilà donc ici on va pouvoir bien saisir sur une date et insérer ici la date dans laquelle on vient de sélectionner sur le dans une cellule sur Excel notamment pour compléter des devis ou des factures. Là, je vais donc ici vous montrer une deuxième façon de pouvoir réaliser un date picker. Donc ici c'est de pouvoir en faire un à partir d'un formulaire, un user form en Visual Basic. Et là donc du coup on va pouvoir ici insérer par exemple ici lorsque je vais cliquer sur cette cellule, vous allez voir qu'automatiquement ça va ouvrir un formulaire qui va vous permettre ici de pouvoir encore une fois sélectionner une date donc ici par rapport à un calendrier. Voilà, il suffit de passer la souris dessus. Voilà, je vais essayer faire un planning ici au 22 février. Voilà, automatiquement ça va mettre ici le 22 février. Ensuite donc il va passer dans la cellule à côté, donc ça va vous mettre ici la possibilité de pouvoir saisir un nouveau nom. Donc exemple ici on va mettre par exemple Martin. Voilà, donc dès que je vais fermer le formulaire, ça va passer dans la cellule à côté où là il va vous demander d'aller saisir le montant. Donc là on va mettre n'importe quoi, on va mettre 14 125,85, peu importe, 58. Voilà, ça va vous mettre ici le montant et ici donc ça va vous faire en sorte en disant ben, ça a été payé, ça n'a pas été payé. Voilà, on dit non et ça va fermer ici le formulaire. Donc ici pour créer ce genre de choses, donc ici vous pouvez créer comme ça plusieurs petits formulaires qui vont vous permettre ici de pouvoir saisir assez rapidement des données dans un tableau. Donc ce qui va nous être intéressant ici, c'est de plutôt utiliser cet outil pour essayer ici de faire donc un date picker à partir ici d'un formulaire. Donc exemple ici, si j'agrandis maintenant mon tableau, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien ça va insérer donc ici le calendrier. Encore une fois, donc ici je vais prendre par exemple le mois de fin mars, on va faire un planning, voilà 26. Ici on va changer le nom, voilà, on va saisir ici à l'intérieur, on va remettre encore un nom, un montant, peu importe. Voilà, et ici on va mettre, ben, ça n'a pas été, par exemple, oui, peu importe. Voilà, donc ici automatiquement ça va insérer au fur et à mesure que vous allez saisir ici une base de données, ça va vous afficher des formulaires successifs. Donc une fois que je passe dans chaque colonne, ça va ici vous ouvrir un formulaire pour pouvoir ici réaliser la saisie. Alors déjà, on va aller voir comment on a créé ici surtout ce formulaire-là. Donc ici, la même chose que ce que je vous ai montré la fois passée, mais là, on n'a pas de formulaire, on n'a juste que des cellules à partir ici d'un calendrier. Donc là, on va devoir ici saisir ici ce calendrier, donc à partir ici d'une cellule. Voilà, on va cliquer sur cette colonne-là et ça va automatiquement afficher le calendrier. Alors attention, parce qu'ici, évidemment, ça ne va pas l'afficher le calendrier que si je ne suis pas en train de faire mon tableau. Donc ici, j'ai créé une plage qui va vous permettre ici de pouvoir dynamiquement insérer au fur et à mesure vos données. Voilà, donc il faut être vraiment dans la cellule d'un tableau pour pouvoir accéder ici au formulaire en question. Voilà. Alors, première étape. Donc ici, c'est de réaliser un calendrier annuel dans une feuille. Donc ici, j'ai une feuille de calcul, encore une fois, qui va me permettre ici de pouvoir afficher le calendrier dans ce formulaire. Donc j'ai fait la même chose que je vous avais fait ici la fois passée. Donc je ne vais pas le réexpliquer. Donc vous irez voir le tuto qui explique à faire ce calendrier dynamique à partir d'une date. Donc là, j'ai refait à peu près la même chose ici dans ma feuille de calcul. Donc voilà, hein, j'ai les mêmes formules. Voilà, donc ici je mets 3, donc ça va automatiquement valider ici les données automatiquement de la donnée. Voilà, donc ça c'est mes données affichées. Voilà, donc c'est ici qu'il va falloir le mettre ici. Donc ici vous mettez les données que vous voulez voir apparaître sur ce calendrier-là, peu importe. Alors donc ici vous allez voir ici ce calendrier, donc il a été fait de la même façon qu'il a été fait la fois passée. Je me suis créé donc une liste qui va me permettre ici d'afficher mes mois. Donc ici vous avez donc il va falloir préparer cette feuille de calcul préalable. Voilà, donc ici on est ici sur la feuille de la liste des mois, donc avec ici les mois de l'année. Donc je vais m'en servir ici automatiquement pour aller afficher tous les mois.
Ensuite, donc, on va essayer d'avoir ici ben, la date du jour. Voilà, donc ici, on est bien le 12 février pour pouvoir revenir ici à la date du jour, notamment. Voilà, donc ici, on a un calendrier avec les mêmes formules qu'on a fait la fois passée. Alors, à partir de là, donc, on va créer ici un calendrier, mais à partir ici d'un formulaire. Donc, pour ça, on va aller dans l'onglet développeur. Je vais vous montrer. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce calendrier? Donc, ici, je vais l'ouvrir. Donc, j'ai créé ici un formulaire. Donc, là, j'ai fait insertion, user form. Et donc, à l'intérieur, donc, on va créer ici ce formulaire. Alors, ce formulaire, donc, je l'ai intitulé, je lui ai donné un nom. Donc, il s'appelle FRM calendrier. Voilà, donc, je lui ai donné une couleur par défaut qui est une couleur orange. Voilà, une couleur de fond. Et ensuite, donc, j'ai créé ici des petits. J'ai rajouté des contrôles. Donc notamment ici, hein, j'ai rajouté un contrôle qui est une textbox qui va afficher ici les mois, le mois de janvier, février, mars, ainsi de suite. Voilà. Donc il va essayer ici d'aller le récupérer en fonction ici de la sélection qu'on aura fait. Ici, j'ai créé deux petits boutons, en fait deux petites images en réalité. Hein. Ça aurait pu être des boutons avec des flèches. Donc ici, une image qui va mettre une flèche vers la gauche, une image qui va mettre une flèche vers la droite. Donc elle s'appelle IMGD et IMG gauche. G. Donc là, ça va vous permettre ici de pouvoir faire défiler le mois précédent et le mois suivant. Okay. Ensuite, donc ici, j'ai mis des labels. Donc ici, j'ai mis 7 labels hein, qui va afficher les jours de la semaine. Donc ici, on a le lundi, voilà, mardi, mercredi, ainsi de suite. Voilà, donc ici, hein, j'ai mis ici tous mes labels correspondants. Donc d'ailleurs, ici, on va mettre LBL pour dire bien que c'est bien un label lundi, le label mardi, et ainsi de suite. Donc avec ici, hein, leur caption, où j'ai mis ici les trois premières lettres de chacun des journées. Et à l'intérieur, donc j'ai mis ici, pareil, donc j'ai mis des labels. Donc ici, j'ai mis un label. Donc ici, vous le voyez, hein, il vaut bien un label. Donc j'ai intitulé, donc ici, pour chacun, je les ai intitulés en J1, donc jour 1. Donc ici, ça va faire jour 2. Ici, ça va faire jour 3, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc ici, je suis à mon jour. Alors attention, parce qu'évidemment, il y a plus de 31 jours. Donc ici, j'ai prévu le cas. Donc ici, on est à la J31, mais j'ai prévu également un J32, un J33, 34, 35, voilà, 36, 37. Voilà, je me suis arrêté à J37. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si le jour du mois commence un dimanche, donc évidemment, ça va se décaler au fur et à mesure. Donc il va falloir qu'on prévoie 37 labels pour pouvoir y afficher ici les jours correspondants. Et ensuite, donc, j'ai fait une option qui vous permettra ici de créer des petits boutons assez rapide qui permettra de pouvoir ici changer la couleur de votre calendrier si vous le souhaitez. Voilà, donc ici des labels généralement avec ici une textbox et deux petites images qui vont permettre ici de pouvoir faire un défilé de calendrier. Donc voilà, donc ici hein, assez simple à réaliser, mais par contre derrière vous allez voir, il va y avoir quand même du code qui va être ici associé à ce formulaire. Alors, dans un premier temps, donc ici, comment aller faire ce formulaire-là, donc vous allez voir, hein, il va falloir l'initialiser. Donc ici, j'ai créé un petit bouton qui va permettre ici de pouvoir initialiser le formulaire. Alors comment ça marche l'initialisation? Donc ici, hein, ça va vous permettre ici de pouvoir afficher le calendrier à l'ouverture ici du formulaire. Alors qu'est-ce que je lui ai demandé d'aller faire? Donc on va aller voir ici le code correspondant. Alors première chose, donc on va y afficher le mois et l'année. Donc ici dans ce calendrier automatiquement. Donc ici je lui ai demandé d'aller chercher le mois en cours et l'année en cours. Donc ici hein, l'année en cours on l'a, hein, c'est la fameuse M4. Donc ici on a le mois en cours qui est en colonne M et la ligne 4. Donc ici on est au mois de février. Donc il va aller chercher cette info-là et il va l'afficher ici en K2. Donc K2, hein, je vous rappelle, c'est le mois ici sélectionné qu'on va avoir apparaître ici dans le calendrier. Et ensuite, on va également y chercher, donc ici, hein, pour cette instruction-là, on va chercher donc la cellule M5. Donc M5, c'est l'année en cours. Et on va l'afficher en K3. Donc K3, c'est celle qui est juste en dessous. Voilà. Et ensuite, donc, on va y afficher donc la cellule M8. Donc M8, on va le faire apparaître ici, hein. C'est ici le mois concaténé, hein, donc c'est le mois plus l'année, donc que je vais faire apparaître ici dans ma textbox automatiquement. Donc ici, hein, si je vais faire, vous allez voir, hein, on va aller faire F8, donc et on va aller chercher ici les infos en allant ici chercher ici les infos. Donc c'est la première chose qu'il va faire, il va charger le calendrier
en récupérant ici les données. Donc il va récupérer le mois et l'année concaténés en texte et le mettre ici dans ma TXT moi. Donc ici, il voit bien qu'on est bien en février 2018 inscrit. Donc c'est ce qu'il va faire au début. Donc si je l'exécute, voilà, donc il va bien charger ici hein, le mois de février dans ma textbox. Ici, hein, il va chercher ici cette info-là automatiquement. D'accord? À partir de là, une fois qu'il a le mois, ben, il va falloir ici qu'il aille chercher tous les jours correspondants. Donc ici, le mois de février, il commence bien le jeudi. Donc voilà, et il va se terminer le 28, le mercredi. Alors, du coup, il va falloir y afficher dans tous les labels les données ici de mon calendrier. Puisque ici, hein, ce sera ce calendrier-là qui va aller afficher les infos dans le formulaire. Pour ça, donc on va revenir ici dans mon code. Une fois que j'ai chargé ici les données, donc eh bien vous allez voir, ça va être assez simple à réaliser. Hein. Le code, vous allez voir, il est long, mais très simple à réaliser. Ici, je lui ai demandé d'aller charger la semaine 1. Donc je lui ai demandé d'aller récupérer la cellule C3. Donc C3, c'est ici dans mon calendrier le premier jour ici. Hein. Voilà, ici il n'y a rien, mais c'est pas grave. Donc il va aller récupérer et le mettre dans mon label qui s'appelle J1. Il va chercher ensuite la cellule D3. Donc ça c'est le deuxième jour. Il va le mettre dans la cellule J2 et ainsi de suite. Donc jusqu'au jour, ben, jusqu'à la fin de mon calendrier, jusqu'à la cellule ici I8. Voilà, donc du coup ici vous allez voir l'initialisation, donc il va falloir qu'il aille récupérer mes 37 infos de mon calendrier et les charger dans mes petits labels ici que j'ai dit. Donc voilà, donc jusqu'à la 37e, c'est ce qu'il va faire lors de l'initialisation du formulaire. Donc je vais le réexécuter. Voilà. Donc ici, hein, il va aller récupérer en fonction du mois que j'ai sélectionné. Donc ici, il va charger la textbox. Et à partir de là, donc il va prendre les infos qui se trouvent ici dans ce tableau et les charger dans le formulaire. Ok, donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, donc évidemment, il va falloir ici pouvoir prévoir aussi le cas où je veux aller chercher ici les données de mon calendrier. Ok, donc à chaque fois que je vais faire un défilé, ça va ici afficher les données. Donc ici, si vous regardez bien dans mon calendrier, qu'est-ce qui va s'afficher ici? Voilà, donc ici, hein, il va s'afficher automatiquement quand je vais cliquer. Hein, le fait d'aller cliquer ici sur le mois suivant ou le mois précédent. Donc en fonction, il va incrémenter, donc il va mettre ici le mois en cours. Si je clique encore, il va mettre le mois d'avril, donc il va mettre ici le mois d'avril. Donc cette info-là va vous permettre de pouvoir actualiser votre calendrier et du coup, encore une fois, récupérer toutes les infos de mon calendrier. Donc à chaque fois que je vais changer de mois, il va aller ici, la première chose, il va mettre le mois que je viens de sélectionner, ici le mois de mai. Okay? Et en même temps, charger le calendrier. Donc ici, il voit bien que le mois de mai commence un mardi. Voilà, donc il se termine bien le mardi, il se termine le jeudi 31. Voilà, donc et pour ça, donc eh bien évidemment, il va falloir créer des codes aussi bien sur le mois précédent que sur le mois suivant. Donc on va aller voir le code généré. Donc ici, on va mettre le mois. Voilà, dès que je vais cliquer sur sa petite image, donc je vous rappelle, elle s'appelait image IMG, hein, gauche. Donc on va lui faire donc récupérer donc ici le mois précédent. Alors vous allez voir ici qu'il va faire appel à une procédure qui va aller faire du moins 1. Donc pour ça, il va faire appel à une procédure qui s'appelle procédure précédent mois. Donc on va aller ouvrir ici le module. Alors le précédent mois, il va être assez simple à réaliser, vous allez voir. Donc le précédent mois, qu'est-ce qu'il va dire? Donc avec ma feuille calcul, ici, hein, c'est bien le nom que j'ai donné à cette feuille-là qui s'appelle calcul, je vais aller chercher ici la cellule K2. Donc ici, hein, K2, donc c'est celle ici où il y a le mois. Donc encore une fois, j'ai fait la même chose que j'avais fait. La fois passée lors de la présentation de l'ancien tuto. Donc ici, hein, encore une fois, c'est pour qu'il tourne en boucle, hein, pour que arrivé à janvier, eh bien, qu'il ne recommence pas à faire du négatif. Dès que tu arrives sur le mois numéro 1, eh bien, tu recommences à 12 pour repartir sur le mois de décembre et tu décrémentes encore une fois. Donc voilà. Et donc c'est ce que va faire ici cette condition. Si K2 est égal à 1, donc ici, s'il voit que dans cette cellule-là, il y a écrit le mois 1, eh bien, tu vas pas faire du moins 1, moins 2, moins 3, mais tu vas repartir à 12. Donc, dans ce cas-là, on lui dit si c'est égal à 1, alors tu repars à 12. Et du coup, il va remettre le mois de décembre, il va encore décrémenter. Donc, il va tourner en boucle, comme ça. Sinon, donc, ici, il va y afficher maintenant, il va récupérer la valeur. Donc, ici, il va faire à K3. Donc, K3, c'est toujours ici l'année. Voilà, il va faire moins 1, hein, puisque derrière, il va falloir qu'il décrémente aussi les années, puisque derrière, c'est un calendrier perpétuel. Hein. Il va faire moins 2018, 2017, 2016. Et ensuite, il fera la même chose pour le mois suivant. Il va aussi incrémenter les années automatiquement. Sinon, il va récupérer, donc K2, il va récupérer le mois en cours.
moins 1. Donc ici, il va faire le mois de mai. Si je clique sur le mois précédent, eh bien 5 moins 1, ça fera bien 4. Donc il va l'afficher ici en K2 automatiquement. Et du coup, comme ici, il y aura écrit 4, il va faire le calendrier du mois d'avril, puisque là, on est au mois de mai, et il va recharger de nouveau le formulaire. Donc vous l'aurez compris, le mois suivant fait exactement la même chose. Si ce n'est que là, c'est le contraire, c'est que si la cellule est égale à 12 ici, donc à 2, hein, donc ça veut dire qu'il est au mois de décembre, il ne peut pas aller au-delà. Donc ici, hein, il va se repartir au mois de janvier. Ensuite, il va recharger de nouveau l'info qui se trouve en K3, donc c'est mon année. Et ensuite, plus 1, évidemment, puisque là, il va incrémenter mes années, 2018, 2019, 2020. Et il va faire également ici les infos. Donc ici, hein, on incrémente les années, voilà, donc en faisant plus 1 ici, et ici on va faire l'inverse, donc on incrémente les mois en faisant plus 1. Voilà. Ok, donc on va faire également la même chose. Pour ici la même chose, donc ici on va ici, c'est pas en incrémente mais on décrémente, donc ici en faisant non pas plus 1 mais moins 1, et on va faire également la même chose et ici on décrémente les mois, d'accord. Voilà, donc ici, hein, ça sera ici le code qui vous permettra ici de pouvoir ici faire ben, la procédure. Donc ici, hein, c'est la procédure. Permettant d'incrémenter les mois du calendrier. Voilà. Et on va faire également la même chose. Pour la procédure juste ici, donc ici ça sera procédure permettant de décrémenter le calendrier. Ok. Voilà, donc ici vous aurez ici les deux procédures permettant ici de pouvoir bien faire précédent mois et précédent suivant mois. Donc ici voici les procédures, hein, qui va être assez simple à réaliser. Ensuite, à partir de là, donc on revient ici sur notre code de notre formulaire. Okay, donc dès que je vais cliquer ici sur mois précédent, donc il va d'abord faire appel ici à cette procédure-là. Donc je l'appelle en faisant un call. Donc ici on appelle. On appelle à la procédure permettant de décrémenter le mois du calendrier. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien ici, on va y afficher donc le mois et l'année. Donc du coup, eh bien, une fois qu'il aura décrémenté, donc ici cette valeur en K2, là, va changer. Et donc on va ici lui dire ben, de faire la même chose qu'à l'initialisation du formulaire, à savoir qu'on va ici afficher dans ma textbox l'info qui se trouvera en M8. Donc M8 ici, ça sera encore une fois le mois concaténé avec l'année pour pouvoir le faire afficher dans mon formulaire, puisqu'ici il est lié lui en fonction de la date qui est là automatiquement. Ok. Et à partir de là, donc eh bien on va faire exactement la même chose, à savoir qu'on va charger ici le calendrier. Donc à chaque fois que je vais décrémenter un mois ou que je vais incrémenter un mois, donc il va falloir encore une fois recharger donc dans le formulaire. Donc on repart pour aller charger toutes les infos qui se trouvent ici dans mon calendrier, donc et le mettre ici dans mon label qui s'appelle J1, J2, J3 jusqu'à la 37. Donc il va chercher chacune des cellules, voilà C3, ensuite D3, E3 et ensuite voilà jusqu'à la 37 encore une fois. Voilà, et il va faire évidemment la même chose pour ensuite le mois suivant. Donc ici, hein, si je clique sur le bouton de la flèche à droite, donc là on fait toujours appel. Donc ici on appelle la procédure voilà, qui incrémente le mois du calendrier.
Voilà. Et ensuite, donc, on va y afficher le mois correspondant. Donc ici, hein, on va y afficher le mois. Encore une fois, il va chercher l'info en cellule M8. Et ensuite, il va charger, encore une fois, tout le formulaire avec ici de la J1 jusqu'à la J37, ici, correspondant. Donc ici, on va avoir une procédure qui va cliquer sur ce bouton. Voilà ici ce que fait ces boutons ici du mois suivant et du mois précédent. Et ici, c'est ma fameuse TXT moi qui va aller charger l'info qui se trouve en M8 ici. Cette info qui se trouve ici lors de la concaténation. Voilà ici. Et à partir de là, ben, on va charger ici tous les formulaires. Je vous rappelle, hein, J1, c'est mon premier label. J2, c'est mon premier label. Jusqu'à la J37 qui se trouve ici sur le dernier. Voilà ici comment on va pouvoir ici assez rapidement charger un formulaire à partir ici d'un petit calendrier qui se trouvera dans une feuille et charger ici un calendrier pour l'avoir ici en dynamique. Donc ensuite, donc j'ai rajouté encore évidemment un petit code. Alors ce petit code, si on veut le perfectionner, c'est ici le fait de passer la souris sur l'une des dates ou sur l'un des labels. Eh bien, ça va automatiquement changer la couleur. Donc ici, j'ai pris une couleur bleue. Qui va vous permettre ici de pouvoir savoir sur quelle date vous êtes en train de passer. Donc ici, j'ai utilisé encore une fois une petite instruction qui va falloir faire sur les 37 labels en question. Okay. Alors pour ça, donc on va aller voir ici le code. Donc on va rajouter ici, on va faire un double clic sur le premier. Voilà, donc ici, hein, encore une fois, pour comment changer la couleur ici de mon... au passage ici de ma souris, donc sur le formulaire, donc je vous rappelle ici hein, l'objectif, je vais ici charger mon formulaire, donc voilà le fait de passer ici la souris sur ce formulaire, donc ça va mettre une couleur bleue, donc ici sur le formulaire en question. Alors pour ça, donc on va aller voir, donc ici évidemment je l'ai fait sur le passage de la souris, donc en faisant un double clic dessus, donc ici la procédure, donc ici hein, je vais le mettre juste le commentaire, hein, ici hein, procédure permettant de mettre une couleur sur la date au passage de la souris. Alors pour ça, donc eh bien j'ai utilisé, donc évidemment il va falloir le répéter ici pour chacune, ici donc vous l'avez aussi en J2, vous l'aurez en J3, donc le code peut être long mais c'est assez répétitif. Donc ici hein, ben, ça sera de le faire sur l'événement Mouse Move, donc ici hein, voilà, sur la mouse move. Ici, vous allez pouvoir, donc avec ici, vous avez ici tous les J1 jusqu'au J37. Et ensuite, on l'a fait ici, donc je l'ai fait sur l'événement, voilà, sur le déplacement de la souris. Voilà, donc je l'ai fait, ben, je lui ai demandé, hein, lorsque tu vas te déplacer dessus, donc tu vas changer ici de couleur, donc on va lui faire un backcolor, donc on va prendre le label, on va lui mettre ici un backcolor, ici c'est la propriété que vous avez ici. Dans la fenêtre des propriétés, ici on a bien ici le backcolor et je l'ai mis ici, je lui ai mis de mettre une backcolor à bleu, donc j'ai pris le RGB, hein, j'ai mis ici 255, hein, je vous rappelle le RGB c'est rouge, vert, bleu, donc c'est le RVB en français, mais en anglais RGB, hein, red, green, blue, voilà, je l'ai mis à bleu, donc vous pourriez ici mettre le code couleur que vous souhaitez avoir. Peu importe, donc voilà, donc et ça je l'ai fait évidemment pour le J2 également, je l'ai fait pour le J3 également. Voilà, donc ça c'est un code que vous allez pouvoir donc ici manipuler dès que je vais passer la souris dessus. Donc ça va automatiquement, voilà, quand je vais ici cliquer là-dessus, donc ça va automatiquement mettre ici le fameux label en bleu. Voilà, donc vous pourrez ici changer la couleur et le personnaliser si vous le souhaitez, peu importe. Voilà ici déjà la première chose, donc ici hein, qui va vous permettre ici de pouvoir le faire. Et ensuite, donc évidemment, tout l'intérêt ici également du formulaire, c'est que lorsque je vais ici cliquer, donc je rappelle ici, hein, lorsque je vais cliquer ici sur cette date, ça va l'ouvrir. Et le fait ici de cliquer sur ce bouton, ça va vous permettre ici de mettre la date du jour. Ici, je viens de cliquer sur le 14, donc ici, hein, si je clique sur le 27, ça fait bien ici, ça met la saisie également dans la cellule sur laquelle je suis. Okay, dans la cellule active. Alors pour ça, eh bien, du coup, il va falloir aussi faire un code là-dessus. Donc le code, il est où? Eh bien, c'est cette première partie. Donc ici, hein, ça, c'est la saisie de la date dans la feuille. Okay, à partir du clic
sur la date. Alors, donc ici, hein, je lui ai dit, dès que tu vas cliquer sur ce label géant, donc on va lui dire déjà, eh bien, si c'est différent de vide, eh bien, évidemment, il faut qu'il y ait une date, hein, à l'intérieur de mon label. S'il n'y en a pas, eh bien, tu ne feras rien, tu sors. Voilà, et on va lui dire ici, encore une fois, donc on va lui dire, eh bien, tu vas aller chercher si c'est pas vide, donc ici c'est 3, je vous rappelle, c'est 3, c'est dans mon calendrier, je vous rappelle, ici, hein, si je vais cliquer dans ma feuille, donc c'est ma cellule ici qui se trouve dans mon calendrier de calcul, voilà, c'est 3, hein, donc s'il est vide, bien, évidemment, tu vas rien faire. C'est s'il y a quelque chose à l'intérieur, donc ici, on va lui dire, donc si c'est différent de vide, empty, dans ce cas-là, eh bien, on va lui dire, tu vas prendre cette cellule, donc J1, c'est parce que si c'est la première cellule. Tu prends la valeur de ces 3 et tu vas la mettre ici dans le jour choisi. Donc, jour choisi, je vous rappelle, c'est la date ici que je viens de sélectionner. D'accord. Et ensuite, eh bien, on va lui dire que ce jour que je viens de sélectionner, donc le fait d'avoir cliqué ici, j'avais cliqué sur le 27 février tout à l'heure, il a bien mis ici en cellule M11. Voilà. Donc, je vais le mettre ici en cellule M11. Donc, ici, j'ai donné un nom à cette cellule-là. Et automatiquement, donc, eh bien, tu vas le mettre sur l'Active Sales. Donc, c'est-à-dire cette valeur-là qui se trouve ici. Qui a été cliqué dans mon calendrier, eh bien, tu vas l'affecter dans la cellule active. Donc, c'est la cellule sur laquelle je suis physiquement dans mon formulaire ici de saisie. Donc, ici, il va le mettre sur la cellule. Je vous rappelle, une cellule active, c'est la cellule sur laquelle vous êtes en ce moment. Voilà. Donc, là, ça va le faire évidemment automatiquement et ainsi de suite. Donc, je fais la même chose pour J2. Donc, là, il va chercher la cellule D3 qui se trouve à côté et tu l'affectes dans la cellule active. Okay? Dès que c'est fait, donc, eh bien, on va lui dire ici de se déloader. Donc, on va fermer le formulaire. Donc, unload me. Donc, ici, on ferme le formulaire. Voilà. Et ensuite, on se positionne sur la cellule à côté. Donc, pour ça, on va lui dire de se décaler. Donc, à partir de la cellule active. Donc, c'est ce qu'il va faire automatiquement. Hein, regardez. Donc, je vais me mettre là. Donc, dès que je vais saisir une date. Automatiquement, il va se décaler sur la colonne d'à côté, juste à côté, pour pouvoir ouvrir, eh bien, pourquoi pas, un deuxième formulaire, et ainsi de suite. Okay? Donc, et à chaque fois que, donc, du coup, ça va vous permettre ici de pouvoir, eh bien, fermer le formulaire, et en même temps, hop, tu te décales, prévoir ici la saisie de la prochaine donnée de votre enregistrement. Donc là, eh bien, ici, l'instruction qui permet de faire ça, donc on va aller voir, ça va vous permettre ici de pouvoir lui dire, à partir de la cellule active, décale-toi, donc on va utiliser l'instruction offset. On reste sur la même ligne, donc ici il va demander un row offset, c'est le numéro de la ligne, on reste sur la même, mais tu vas te décaler d'une colonne, donc du coup on va se décaler d'une colonne, donc et on va se retrouver juste à côté. Donc et à partir de là, on va déclencher ici l'affichage d'un nouveau formulaire. Voilà ici le code, donc il n'est pas très compliqué, par contre il est très répétitif puisqu'il va falloir le faire sur les 37, donc il est assez long à taper, mais voilà, il est encore assez long parce qu'ici il faut le faire sur tous les boutons. Automatiquement. Donc évidemment, il va être un peu long, mais voilà. Et à chaque fois, donc il va falloir récupérer la valeur, toujours mettre une couleur en fonction que si je passe la souris dessus, donc toujours sur le mousse MAU, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici pour les 37 labels. Voilà. Donc à partir de là, donc eh bien ça y est, vous avez ici votre formulaire qui est totalement dynamique. Alors, la dernière étape ici, c'est de mettre une couleur. Par exemple, ici, je vais mettre par exemple la couleur jaune. Donc, évidemment, si je clique ici sur ce bouton, ça va ouvrir ici une petite procédure qui va vous permettre ici de lui dire, eh bien, si tu veux le bouton bleu, si tu cliques sur le bouton bleu, eh bien, tu vas mettre un backcolor à bleu. Donc, ici, hein, c'est le petit bouton, hein, que je mets en couleur. Moi, le bouton, hein, je le mets en jaune ou je le mets en orange ou je le mets en vert. Bon, ici, j'ai prévu des couleurs. À vous d'y mettre ce que vous voulez, peu importe. Voilà, donc ici, hein, vous avez les instructions qui permettent ici de le mettre en bleu, en jaune, en orange. Voilà, votre formulaire, si vous voulez changer ici, bon, c'est du fun. Mais vous pouvez également, évidemment, donner une autre couleur à votre formulaire lorsque vous le souhaitez. Voilà, ici, c'est le petit code qui va vous permettre à chaque fois de changer le backcolor. Ici, hein, je vous rappelle, c'est l'instruction du bouton. Là, je suis bien sur le bouton jaune. Là, je suis sur le bouton orange. Donc, à chaque fois, donc, il va vous mettre le backcolor et vous lui dites de changer ici le code couleur correspondant. Voilà, ici. Ensuite, maintenant, dernière étape pour aller ici faire un formulaire, c'est ici comment déclencher l'ouverture du formulaire lorsque je suis ici sur mon tableau. Donc ici, hein, si je clique là, donc il ne va rien se passer, puisque derrière, je n'ai pas demandé à ouvrir le formulaire sur un champ vide. Par contre, ici, si je suis ici dans mon tableau et que je fais tabulation, donc encore une fois, vous allez voir ici, ça va se mettre automatiquement. Voilà, dès que je fais tabulation, donc j'agrandis mon tableau.
Là, hop, je récupère ici mon calendrier, puisque là, je suis sur la colonne A, et j'ouvre mon calendrier. Donc ici, hein, je refais ici, par exemple, le 19, il va se décaler, donc ici, on va saisir un nom, un nom. Là. Je vais fermer mon formulaire, il va se décaler aussi, donc ici, on va y mettre le montant. Voilà, peu importe. Et ici, donc, on va se mettre encore, on va se décaler, donc il va se créer encore un quatrième formulaire. Ici, on va lui dire moyen de paiement, oui, non, hop, on fait non, et ainsi de suite. Voilà, et à partir de là, il s'arrête. Voilà, sauf si je continue encore une fois, hein, là si je continue que je fais tab, hop, il recommence et ainsi de suite. Donc il ne l'affichera que si vous êtes vraiment sur le tableau qui va s'agrandir. Donc pour ça, donc il va falloir qu'on déclenche l'ouverture de ce formulaire sur une plage bien déterminée de ma feuille. Et ici, donc vous avez donc le code qui vous permet ici de pouvoir le faire. Donc évidemment, il faut le faire sur la feuille sur laquelle on va saisir. Donc ici, j'ai fait le code à partir de la feuille. Et ici, voici là où les procédures, enfin il n'y en a qu'une procédure, hein, c'est la worksheet ici. Hein. Donc lorsque je vais sélectionner une cellule sur la feuille, donc j'ai utilisé l'instruction worksheet, donc sur cette feuille-là, donc ici la feuille 1 où j'ai la saisie des dates de forme, et j'ai utilisé donc l'événement sélection change, donc ici hein, sur la worksheet, je lui ai dit d'aller chercher la sélection change ici. C'est-à-dire dès que tu vas changer de sélection dans cette feuille, eh bien tu vas déclencher des actions. Et encore une fois, donc ici j'ai ici changé, donc je lui ai mis ici le code. Donc ici c'est ma plage, ok, plage de données du calendrier, ok. Ici ça sera la plage de données, ok, des noms. Okay, donc ça c'est ma deuxième colonne. Ici c'est ma plage de données, voilà, des montants à saisir. Et ensuite le dernier, donc ici l'instruction plage de données, voilà, des paiements. Voilà. Alors pour ça donc c'est la même instruction, hein, mais à part que le premier donc je vais lui demander d'aller faire. Donc ici j'ai utilisé encore une fois l'instruction que je vous ai déjà montrée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai utilisé la fonction not intersect. Donc c'est-à-dire tu ne vas déclencher l'ouverture de formulaire que sur une certaine plage bien déterminée. Donc il dit si tu tombes sur une de ces plages-là, donc ici ma plage, je lui ai donné un nom. Elle s'appelle plage date. Vous allez voir ici à quoi ça correspond. Si tu tombes sur une de ces plages-là, eh bien dans ce cas-là, tu vas faire ça. Dans le cas contraire, tu ne fais rien. Donc d'accord, si tu n'es pas dans une de ces cellules que je vais t'indiquer, eh bien tu ne fais rien. Dans le cas contraire, si tu y es, donc ici on va utiliser la fameuse target, donc c'est la cible. Donc si tu es parmi une cible de cette plage-là, eh bien tu vas ici, on va y afficher le formulaire. Donc ici, c'est si je suis sur la colonne A, hein, on va y afficher le formulaire. Je vous rappelle que je l'avais nommé FRM calendrier. Et ici, j'ai fait en sorte de positionner le formulaire. Donc là, vous aurez l'instruction qui permet de positionner également le formulaire au fur et à mesure que mon information ici descend. Donc ça peut être intéressant. Ici, vous allez voir qu'automatiquement, le formulaire ici va se positionner juste à côté de la colonne A. Et en même temps, ici, hein, quand je clique là, vous allez voir, il va se positionner aussi au même niveau que la cellule, quasiment. Okay? Ça va vous éviter ici d'avoir un formulaire en plein milieu de votre écran et à chaque fois aller avec la souris le chercher. J'ai fait la même chose pour le deuxième, lui aussi il va se décaler, il va s'ouvrir juste derrière la colonne B. D'accord? Et en fonction, ici, si je clique sur la première, il va s'ouvrir ici. Donc on va faire aussi un premier test, hein, par exemple. On va ici faire. Voilà, on va tirer ici la poignée, pourquoi pas. Encore une fois, si je clique ici, vous allez voir que le calendrier, il va bien s'afficher au même niveau. Quand je vais ici cliquer, donc encore une fois, sur ce formulaire-là. Donc je vais y mettre une date. Donc lui aussi il va se décaler hein, au fur et à mesure que je descends. Eh bien le formulaire va s'afficher juste à côté. Voilà, donc ici on peut mettre, je ne sais pas, on va mettre, tiens, on va mettre auto. Voilà. Donc lui je vais le compléter. Lui aussi, hein, il va se décaler. Lui aussi, il va se faire au fur et à mesure que je descends. Eh bien le formulaire va s'adapter. Donc je vais lui demander de se glisser, de se décaler aussi, lui aussi, au fur et à mesure que je saisis. Donc si je clique là, eh bien, il va se mettre au même niveau que là. OK? Alors pour ça. Donc le code qui permet ici de le faire, donc vous l'avez ici. Donc je lui dis d'aller chercher la propriété left. Donc la propriété left, donc je lui dis déjà dans un premier temps de se décaler. Donc ici dans la feuille des propriétés du formulaire. Donc ici hein, dans le formulaire, je lui dis déjà de mettre une propriété.
Donc j'ai mis une propriété à left à 90, donc c'est-à-dire pour qu'il se décale à côté de la colonne A. Voilà ici, hein, donc je vais lui dire qu'il se décale à partir de la colonne A. Donc il va chercher ici cette info-là, donc avec ici la propriété left. Et donc je lui ai demandé ici de prendre la cible donc de ma target, hein, ma cellule active, où je suis, et de rajouter ça pour pouvoir le décaler automatiquement. Okay. Et je fais également pour le top. Donc le top, vous l'avez ici par défaut. Donc moi j'ai mis un top au début à 175 à peu près. Voilà, ici vous avez l'instruction top. Donc le top c'est le haut. Et là pareil, donc je lui ai demandé d'aller se rajouter également à partir d'ici d'une cellule. Voilà, ici je vais me décaler à chaque fois. Je vais lui dire de prendre le top plus à 25 et en fonction de se décaler au fur et à mesure que je descends. D'accord? Bon, le left, lui, il va, mais après, il va falloir qu'il se décale en fonction de la cellule sur laquelle je suis. Donc, à partir, donc ici, l'instruction, hein, c'est celle-ci. Vous allez pouvoir ici lui permettre de pouvoir se décaler avec un scroll rose. Donc, c'est-à-dire, tu vas de décaler comme ici, on utilise l'ascenseur automatiquement. Voilà, donc ici, hein, ça va vous permettre ici de pouvoir le faire. Et en même temps, eh bien, on va évidemment y afficher le formulaire juste derrière. Donc, ici, donc, eh bien, on fait la même chose pour le formulaire qui va afficher le nom. Donc ici, j'avais appelé ici le formulaire nom. Alors le nom, c'est simple. Alors là, pour aller créer le formulaire nom, j'ai créé un formulaire qui s'appelle FRM nom, avec à l'intérieur uniquement une textbox que j'ai appelée TXT nom, tout simplement. Et c'est là qu'on va saisir les données. Voilà, on a fait la même chose pour le montant. Donc le montant, j'ai créé un petit formulaire avec uniquement FRM montant, et à l'intérieur, une textbox également. Et pour le paiement, donc ici j'ai créé un mini formulaire avec uniquement une combo box. Donc ici c'est bien une liste déroulante, une combo. Et ici donc dans la combo je lui ai dit juste de mettre oui non à l'intérieur. C'est tout. Ok. Et à partir de là, eh bien on va faire apparaître donc chacun des formulaires en fonction de la colonne. Donc ici j'y affiche le formulaire calendrier sur la colonne A. Dès qu'il va se décaler sur la colonne B, on va y faire afficher ici le formulaire de nom. Si je vais sur la colonne C, il y affichera le formulaire des montants, et sur le dernier, le formulaire des paiements. Okay? Donc à chaque fois avec le même décalage pour qu'ils puissent se mettre tous au même niveau les uns aux autres. Okay? Et à partir de là, donc ici, hein, je vous remets ici, eh bien ici il va falloir évidemment le faire à partir d'ici, toujours de mon intersect et de mes plages. Donc ici, eh bien j'ai nommé des plages qui elles vont être dynamiques. Alors pour rendre les plages dynamiques, ça je vous l'ai dit aussi, hein, c'est une obligation. Ici, pour pouvoir avoir des saisies sur plusieurs colonnes grâce à des user forms, donc sur le même principe que le calendrier, donc vous aurez ici permettre de plusieurs valeurs. Mais il va falloir ici, évidemment, créer ici un outil tableau. Donc ça, je vous l'avais mis. Donc il va falloir évidemment faire en sorte de pouvoir insérer ici les outils tableau. Donc automatiquement, il va falloir transformer ma source en outil tableau. Donc pour ça, donc je vous rappelle, vous prenez votre donnée, votre liste, et vous passez dans l'onglet accueil et vous mettez sous forme de tableau. Donc vous choisissez un style comme vous voulez, peu importe, vous pouvez passer d'un style à l'autre. Et vous lui donnez un nom. Donc ici mon tableau s'appelle tes factures, hein, puisque ce sont des factures. Et ensuite, il va falloir donner des noms à mes plages, pour qu'on puisse lui dire que ça, eh bien, que j'ai une plage qui va être dynamique. Pour ça. Donc deuxième étape, c'est de créer ensuite des plages nommées. Donc ici, je vais aller voir le gestionnaire de noms dans l'onglet formule. Et ici, donc, je vous avais dit que j'avais utilisé les plages date, les plages montant, les plages nom et les plages paiement. Donc c'est les données ici que vous avez dans mon code. Donc ici, je reviens sur le code. Donc ici, hein, sur le formulaire sur lequel il y a ma saisie. Donc ici, j'avais dit que tu vas le faire sur la plage qui s'appelle date, la plage qui s'appelle nom, la plage qui s'appelle montant et la plage qui s'appelle paiement. Donc pour ça, donc j'ai donné des noms de plage, hein. J'aurais pu mettre A, 2 jusqu'à quelque chose, mais ici en mettant des noms de plage, elles vont être dynamiques automatiquement. Donc ici, dès que vous créez donc un tableau, deuxième étape, c'est de créer les plages. Donc ici, hein, si je prends ici ma plage date, ici, hein, donc ma plage date, vous allez voir, quand je vais la sélectionner, c'est bien ici la plage de ma colonne A qui va prendre ici les infos. Okay. Donc si je supprime ici des lignes de mon tableau, donc on va le faire, je vais prendre ici toutes mes lignes de mon tableau. Alors il va évidemment passer en revue tous les formulaires. Hop, on va faire ça. On va le formuler. Voilà, on va refaire les formulaires parce que derrière j'ai sélectionné. On va lui dire d'aller supprimer les lignes de mon tableau. Voilà. Donc mon tableau maintenant se termine qu'ici.
Et ici, maintenant, si vous regardez bien ici, hein, je n'ai plus mon calendrier et ma plage, elle vient d'être dynamique, puisque si je lui dis d'aller chercher ma plage des dates, et que je vais chercher, donc ici, ma plage des dates, maintenant, ne fait plus que ça. Donc au fur et à mesure que ma plage augmente, que mon tableau va s'agrandir, et eh bien ma plage va aussi s'augmenter. Okay? Donc et du coup, vous avez ici une plage dynamique. Exemple, hein, si je fais ici, je prends mon tableau et que je vais tab, vous allez voir que là, dorénavant, quand je vais fermer ma plage des dates, je vais la sélectionner, eh bien, vous voyez qu'elle vient de prendre ici cette colonne. Et même principe pour les autres, donc ma plage montant, elle ira chercher ici ma plage montant, et ainsi de suite. Donc c'est exactement ce que je mets ici dans mon code, qui va automatiquement ici lui dire d'aller ici bien faire une plage dynamique. Donc et du coup, eh bien, ça va se décaler au fur et à mesure, et je n'afficherai mes formulaires que dans cette plage-là, et pas en dehors. Donc dès que je suis en dehors de la plage, j'affiche rien. Dès que je suis à l'intérieur, j'affiche mes formulaires. Question. Voilà ici hein, comment on rend dynamique une plage pour y afficher un formulaire de saisie notamment. Voilà. Alors je remets ici le code pour vous montrer. Donc ici hein, sur ma feuille là. Donc je vais vous mettre ici les plages. Donc évidemment ici, il va falloir le faire donc pour autant de colonnes que vous avez. Donc ici, j'ai utilisé les mêmes instructions en allant chercher ici le bon formulaire à afficher. Et en changeant uniquement la plage, donc ici en fonction. Donc là encore important, hein, afin que le formulaire s'affiche au fur et à mesure de la saisie d'un tableau, il faut 1. Transformer votre source en outil de tableau et 2. Créer une plage nommée dans le tableau afin que cette dernière soit dynamique et extensible. Voilà, donc ça c'est important si vous voulez ici avoir ces plages qui vont être totalement dynamiques les unes les autres. Voilà ici hein, ben, présenté. Donc maintenant, voilà cet outil qui permet ici de pouvoir faire une date picker à partir ici d'un formulaire, mais également, alors ici vous aurez pu le faire que pour une date. Là, j'ai pris la peine de le faire sur des formulaires aussi qui va saisir ici un enregistrement à partir de mini-formulaires, peu importe. Voilà ici donc avec ici évidemment la page correspondant ici à mes règles de calcul. Voilà. Et vous retrouverez évidemment dans ce classeur-là bien l'outil que je vous avais déjà montré lors d'un précédent tuto où je vous avais appris à le faire pas à pas. Donc vous saurez refaire ce calendrier puisque d'ailleurs il a fait l'objet d'un tuto qui vous permet de pouvoir bien réécrire celui-ci. C'est exactement le même principe notamment. Voilà donc ici ce classeur voilà que je vais mettre en lien. Donc vous pourrez récupérer ce fichier source et l'adapter à votre besoin si cela vous est nécessaire. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez donc télécharger ce fichier avec ici le code, tout le code correspondant à au formulaire. Voilà. Donc vous pourrez comme ça bien récupérer ça et l'adapter. Donc et encore une fois ici en changeant ici les couleurs, pourquoi pas, de votre formulaire. Donc voilà, tout ça c'est possible. Donc c'est assez simple à faire. Le code est un peu long, mais très très répétitif puisque derrière on manipule des dates. Donc et dans une date, il y a au moins 31 jours. Donc il faut au moins bien beaucoup de données et beaucoup de labels à créer ici dans le formulaire. Voilà ici une deuxième façon de faire pour aller créer ici une date picker à partir d'un formulaire, d'un user form. Voilà que vous allez ben, créer vous-même, donc pas très compliqué à créer le formulaire si ce n'est que voilà il faut juste faire des petits labels qui va à chaque fois insérer et récupérer les données d'un calendrier. Voilà ici hein, votre calendrier personnalisé que vous pouvez utiliser donc dans n'importe quel classeur si vous le souhaitez. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.